8h15, on part à 8h15. Donc petit déjeuner à 7h30. D'accord. Donc en fait c'est simple, on reprend le programme qui avait prévu aujourd'hui. Donc ça reprend avec les 1000 mètres qui n'ont pas été courus. Et ensuite tous les demi-finales 500, finales 500, finales course à points. Finales course à points et finales 500. D'accord. Mais moi on reste encore à 8h. Encore l'après-midi. Voilà, tout le monde court, tout le monde vient de venir. Oui, d'abord la pointe et après les 500. C'est le même ordre, d'accord? Attendez, j'y vais, puis après les questions. L'après-midi, ensuite à 15h, 15h30, ça repart avec le programme qui est prévu à la base de demain. C'est-à-dire 500 pour les minimes et 1000 mètres pour les cadets. Voilà, c'est tout ce qu'il y a prévu dans la journée. Et le jeudi, où il y avait prévu la journée de repos. Il n'y a plus de journée de repos. Ça commence le jeudi matin avec les séries de élimination pour les cadets-cadets. Et puis c'est tout. Et les soirs, les finales, à partir de 17h. Bon, on reviendra demain sur la journée de jeudi. Donc, les gars. Donc demain matin, 7h30, petit déjeuner, 8h15, on décolle. D'accord? Tout le monde vient. Et cherchez pour la photo, c'est vous. C'est un néo-zélandais. Voilà, donc vous devez aussi l'avoir dans votre... Non, ça c'était une italienne qui coache la Hollande. Okay. Hello Scott. Hello Thomas. Donc je vais avoir une photo avec lui aussi. L'objectif c'est de pouvoir partager avec une photo de tous les champions du monde ce championnat. Donc pour revenir sur ce qui s'est passé ce matin, on a clairement dit interdit de se faire doubler par la gauche. Ce matin, on a deux cas flagrants, vraiment énormes, avec Yacine et Raphaël, des gens qui laissent passer les adversaires par la gauche. C'est même plus se faire doubler par la gauche, c'est carrément laisser la place aux autres. Sur cette piste comme ça, on n'a pas le droit de se faire doubler par la gauche, c'est interdit. Vous êtes d'accord? Il faut protéger votre corde au maximum. Donc vous avez le droit de vous décaler un petit peu, mais pas suffisamment pour qu'il y ait de la place pour que quelqu'un passe à gauche. Si vous faites doubler par la droite, c'est que l'autre est plus fort, il n'y a rien à dire. Si vous faites doubler par la gauche, vous avez fait une ânerie. Et ça, on ne veut pas voir. À un moment, on l'a suffisamment dit, mais on va estimer que vous avez fait 2-3 conneries parce que vous n'êtes pas assez vigilant, parce que vous traînez un peu pendant les couloirs, vous n'êtes pas vraiment encore à fond dans le truc. C'est pour ça qu'on vous impose maintenant d'être uniquement dans vos chambres. Vous avez le droit d'aller dans les chambres des autres. Donc c'est important que dans tout ce temps de repos, vous pensiez à tout ce que vous dites et ne pas refaire les erreurs. On l'a dit au moins 7-8 fois entre hier soir et ce matin, et ce matin, sur deux courses qui ne sont pas encore du meilleur niveau du championnat, parce que c'est que des quarts de finale, il y en a deux des meilleurs qui passent à la trappe. Ça, c'est pas normal, c'est pas le genre de truc qu'on veut voir. Et on vous double pas par la gauche, mais surtout vous, quand vous avez l'opportunité de doubler par la gauche, il faut la prendre. Notamment en sprint, vous avez sur des 500 ou des 1000, vous aurez une occasion, deux occasions maxi pour doubler. Si vous la prenez pas, bah voilà, c'est l'autre qui la prend. Quand on dit reposez-vous, ça ne veut pas dire qu'on arrête la course. Bon, sinon, vous avez plutôt bien couru, on voit qu'il y a du potentiel. Maintenant, vous enflammez pas non plus, les autres ils bluffent. C'est pas parce que ça avait l'air facile en série que ça va être facile en finale. Le niveau, je vous ai dit, les séries de championnat d'Europe, c'est plus facile qu'un championnat de France, la finale, ce sera plus dur.
avez vu le placement sur la ligne qu'ils auraient. Que vous avez fait 5 et 6 dans les 3 séries, vous m'arrivez sur la première ligne. Et Charlotte et Mounia, vous serez un peu plus derrière. Donc c'est Mounia qui est leader, comme ça avait été convenu. Par rapport aux courses qu'il y avait en série, on sait que la première partie de course, il y a notamment les Italiennes qui ont une bien meilleure accélération que notamment Mounia. Ça sert à rien d'aller jouer faire les points contre elles, donc on va attendre un petit peu plus sur la deuxième partie de course. Ok, tu mets derrière Martin, ok, et tu ne lâches pas d'une semelle. Et vous faites rien dans la première partie de course, c'est Doucelin qui vous lance. Ok, donc Doucelin, tu le lances et tu tranches. Ok, à 10 vous devez être ensemble et tu les lances pour qu'à 9 il y ait les cartes, ok, à 28 cartes une fois que tu les as lancées, quoi. Tu fais un magnéto, mais il faut qu'ils prennent les points de 8. Voilà, okay. Après le point à 10, il faut que vous soyez en tête à la cloche à 9 parce qu'après c'est dur de doubler. Ouais. À 9 vous devez avoir attaqué, quoi, en fait. C'est une attaque, hein, c'est un contre. Et après on y va, on prend un max de points. Moi je mène devant et je mène devant. Toi après tu mènes, Lucas il est derrière, il te pousse. Je fais comme un entraînement. Au point de 10, faut être prêt à faire un contre. Ah bah si vous êtes 10ème position, c'est trop loin. Hein. Faut être 5-6, tu vois. Second eight. Ouais, parce que Gwendal il va être disqualifié, donc il faut 3. Allez, 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 allez.
Casa in bed. Allez Martin, allez. Esci. Ah non. Ehi, hey, Elena, sa chi lancia? Io lo so, Petrina Alberto, o la sorsa. O la Francia, per senso in cui se ne comascia di neve. Ok, Martin! There's two class of the junior on the cadet men, Denmark, 79. Oh, the first and the second will go to the semi-final, no? Hey, Charlotte, voilà, c'est bien, ça, allez! Tehát ezek a kadett lányok 500 méteres negyed döntői. Az első és a második idők jutnak tovább futamontél, a középdöntő. So there will be no best times. First and second will go to the semi-final. Hey Charlotte, c'est ça, garde ta corde, garde ta corde! Ah, là, il pleut! Charlotte, Francia, José Andrea, Hollandia. Allez! Allez Martine! Allez, garde pas suivre, garde pas suivre. Allez Marine, d'accord, d'accord, d'accord. Only the first two will go to the semi-final. No best times. The power in and from the outside. As if you're measuring. Protège plus derrière. Tentez, mais il n'y a pas de quoi. Allez! Encore! Allez, allez, allez! Mathilde, allez, allez! Ah. Allez, Mathilde! T'accordes, Marine, t'accordes! Allez, Mathilde, extérieur, allez! Non, c'est pas. Départ, et vous avez vu Mathilde? Plus agressive parce qu'elle aurait presque pu passer en deuxième position, donc on lâche pas jusqu'à moi, l'entrée du virage. Au départ, je suis dans la merde. Non, non, tu lui laisses, on donne tout au départ. 30, c'est pas fini, je crois, c'était fini. Allez, d'accord. Allez, on envoie. Attends, Thomas, il commence à regarder, il fait sa course. Első helyen Damrum Thomas. Francia színekben. Előtte 157-essel. Chris. Protège plus sa corde. Hollande, c'est Magban. Allez, protège. Bah là, il rentre un peu trop corde, peut-être. Ah, mais il amène tout le monde, les autres vont suivre. Il est bon. Ouais, Martin, allez. Un petit tassement, là. Allez, relance, Martin, relance, extérieur, allez. Ouais mais non, tu l'as vu, tu t'es masqué sur voie si c'est mort quand t'as été à fond jusqu'à la ligne. C'est un championnat d'or. Va à fond jusqu'à la ligne. Ok. Ça te fait rien de plus de faire 10 mètres, 20 mètres de plus d'effort, donc va à fond jusqu'à la ligne. On est en championnat d'Europe, avec combien de l'équipe de France là, hein, donc tu vas jusqu'à la ligne. Point barre. Allez, prends l'Italie. Allez, Lucas, allez. C'est bon, on va passer de ce pas. Sikora Simon az első Lengyelországból. Német, Francia. Az utolsó kör. A döntőben. Ezek már a középdöntő. Borbinda Georgia. Allez Marine, allez! Allez Marine, allez! Majd Dinos Ronja. Valaki Giulia. Köszönöm szóval. Közönség 270-es rajtszámmal Nagy Péter a magyar válogatott színeiben tiszteli hazánkat. És a további két futamban is indul magyar.
Eszkiel. Akciója az Giulia, Olaszország. Az első helyezett jelenleg. Mögötte Hoffmann Josi, Németország. Majd Peszke Jenny. Warning for number 201, Hoffmann Josi, Germany. Hoffmann Josi figyelmeztetést kapott. Második helyen Vanessa Wittner, Ausztria. Következik. Utolérik-e Hoffmann Josi. Németország, Franciaország. Maresi Stefano az élen. Abrek Simon. Yassine, il va prendre un bel Espoir, rien à faire. Albrecht Simon, az első jelenleg. Hát csak fél kör, csak erdő. C'est pas possible. Ez a Kempanos, member of the European Speedskating Committee, CSPC. Az ilyen Kempanos úr, az Európai Gyurkocsától egy képviselője.